La peau est le plus gros organe du corps humain. C'est un organe complexe qui a une anatomie complète avec une vascularisation, une innervation et plusieurs couches. La couche la plus superficielle est l'épiderme, c'est une couche qui fait interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. La couche en dessous est le derme, qui est la couche nutritive et qui va permettre la régulation de la température et la lutte contre l'infection et les agressions à la peau. L'hypoderme est la zone de transition entre la peau et le milieu intérieur, qui est un milieu stérile. La peau est la barrière essentielle qui permet de protéger le milieu intérieur, c'est un autre organisme, vis-à-vis de l'extérieur et des agressions du milieu extérieur, en particulier les ultraviolets et les substances allergéniques et les substances chimiques qui nous entourent. Sa constitution extrêmement complexe, avec son système immunitaire très actif, permet de nous défendre de façon efficace. Mais bien sûr, il faut la respecter et l'aider dans cette tâche.